Les amis, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va partir à la découverte d'un nouvel épisode de l'émission Et si on se rencontrait. Si jamais vous connaissez toujours pas le concept, je vous explique rapidement. Mais avant, pierre, feuille, ciseaux, qui est chaud? Qui est chaud? Bah je suis chaud patate. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Voilà, une victoire de plus en 2-2, désolé les losers. Bref. Et si on se rencontrait, c'est une émission via laquelle des gens vont se rencontrer pour la première fois après s'être chauffés mutuellement via les réseaux sociaux. Et en général, quand ils se voient, ça colle pas trop. Du coup, ça fait des étincelles entre les candidats et nous, bah... On adore ça! On adore ça! Let's go! Découvrons Lenny. Le voici qui se prépare avec appréhension avant son rendez-vous amoureux. Depuis 2 ans et demi, il parle avec Shana, une jeune femme dont les photos l'ont fait craquer. Ah ouais, le poteau, il se prépare à monter sur le ring ou quoi? On dirait qu'il va enclencher son miroir. Round 1, fight! Dès que j'ai vu sa photo, j'ai vu qu'elle avait un très beau visage et j'ai aimé son teint. Physiquement, elle est très très attirante. Aïe! Déjà, d'après les photos, elle est filtrée. On dirait qu'elle a été conçue avec une intelligence artificielle. Après, c'est sûr que quand on rencontre une personne sur les réseaux, elle peut être magnifique. Et quand on le rencontre en vrai, ça peut être totalement le monde inverse. Le frérot, il décroche pas de son téléphone. Hein. Je sais pas ce qu'il est en train de regarder, mais ça a l'air assez sérieux. Sur les applications de rencontres, il y a beaucoup de personnes qui s'amusent à retoucher leurs photos. J'ai déjà fait des rencontres, ça s'est très très mal passé et j'ai dû faire des tentatives incroyables de fuite. Ah le gamin, eh, ça doit être si malaisant. Il fait comment dans cette situation, genre? Excuse-moi, c'est toi sur les photos là? Bah ouais. Ah! Bon bah moi je vais y aller, hein. J'ai badminton dans 1 heure là, faut pas que j'arrive en retard. Non vraiment, je sais pas quelle excuse tu peux sortir à ce moment-là. Shana, elle a mis des filtres sur ses photos. Je crois que je sais à peu près à quoi elle ressemble. À peu près, ah putain. C'est son visage, j'ai un petit peu peur que ce soit pas pareil. Ça pourrait me gaver si elle y ressemble pas du tout à ce qu'elle montre. Ça me bute les nouveaux problèmes de cette société basée sur le paraître. Maintenant t'es même plus sûr de l'apparence de la personne que tu vas rencontrer, c'est une dinguerie. Ce qui me plaît chez Shana, c'est qu'elle est très très posée dans tout ce qu'elle dit. Elle sait rigoler à tout, et en plus de ça, elle correspond totalement à mes attentes. J'ai quand même des sentiments, donc j'espère juste que ça va bien se passer et qu'elle ne m'a pas menti sur ses photos. Ah ouais putain, mais que de compliments, bravo monsieur, gentleman. La doudoune d'ailleurs c'est Nike, hein, si jamais vous voulez la rêve, je vous la mets en description. Non, parce qu'ils ont voulu faire les mecs qui cachent la marque avec le morceau de scotch, mais nous on connaît les doudounes de la street. T'as capté. Il s'est passé un événement. Je pense qu'elle ne m'a pas dit clairement la vérité. Ça m'a blessé et c'est pour ça que je viens ici. Mais là, ça va être du divertissement à l'état pur. Oh, on va regarder Avatar 3 ou quoi? Sortez les lunettes 3D, les enfants. Je crois au coup de foudre. J'aimerais bien avoir cette espèce d'électrocution en moi qui me permettrait de rencontrer Shana avec ce petit feu. Ah, mais on va te la donner, cette électrocution, bonhomme. Pas de soucis. Un coup de taser et on n'en parle plus. Est-ce qu'on n'aura pas ce blocage, cette barrière au niveau du physique? Bon, je commence à être stressé, je commence à avoir le trac. Allez poteau, respire, hein, ça va le faire. Qu'elle a pas essayé de trop trafiquer ses photos. Ça fait 2 ans et demi que je l'attends, ça fait vraiment très très longtemps. 2 ans et demi? Non mais là c'est le temps d'une peine de prison carrément. Ça va? Ça va et toi? Bien le bonjour! 2 ans après, c'est le moment. Son attitude, elle me bute. Pourquoi à chaque fois j'ai l'impression qu'il veut niquer des gens? 2 ans après, c'est le moment. Hein. 2 ans après, c'est le moment. Hein. Ça fait bizarre. C'est bizarre. Ouais. Ah! L'avoir rentré, c'est vrai que j'avais une petite canette d'1m60 avec un grand sourire, des gros joues. C'est un petit hamster, c'est assez marrant. Non, c'est pas pro, c'est pas pro. Le gars, il mâche pas ses mots, il a 2 doigts de dire qu'elle sent la frite. Un peu de respect, s'il vous plaît, un peu de respect. Maintenant. Donc plus un contact visuel, tu te trouves comment physiquement? Franchement? Ouais. Tu ressembles à tes vidéos. Comment ça à tes vidéos? C'est un camboy le frérot ou quoi? Qu'est-ce qu'un camboy? Camboy, c'est un homme, si vous voulez, qui s'expose sur le net via une webcam et c'est tarifé, hein, je veux dire, c'est tarifé quoi. Je suis pas un fake du coup. Non. Je suis pas une arnaque. J'ai rien à dire. En fait j'aime trop comment t'as visé, trop classe. Par contre, lui, il a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, ça commence à me mettre un peu mal à l'aise, cette histoire. J'aime beaucoup son petit sourire. Est-ce que j'aime beaucoup Shannon? Je pense qu'on serait trop cute ensemble. The best couple, quand. On serait trop cute ensemble. Cute. Ouais, c'est ce que je dis. On boufferait que de la charcute. J'ai pas compris, t'as dit quoi? C'est un petit bien, non? Touche, tu vois. Oh. Un petit peu trop de joue. Mais lui, il est vexant carrément. La pauvre, lui, il porte bien des bracelets en plastique comme en 2007 et pourtant, on lui dit rien. Lève-toi, lève-toi, s'il te plaît. Je me disais que t'étais grande, mais t'es pas si grande que ça. Tu
une canette. Ça fait 15 fois que tu dis qu'elle ressemble à une canette, c'est bon, on l'a compris. Quel dégradé au passage. D'ailleurs les frères, si vous voulez mettre un maximum de chance de vos côtés lors de vos dates, pensez à Manscaped, c'est important. Vous achetez un de leurs packs, vous allez y retrouver une tondeuse avec LED pour un maximum de précision. Dans le coffret, vous allez même y retrouver des soins, ils vous offrent aussi des cadeaux. Moi par exemple, j'ai eu la trousse de toilette, c'est toujours pratique quand tu voyages. Ah, c'est agréable. Là, je me transforme en BG, hein. D'ici 5 minutes, je suis plus le même homme. T'as vu la LED là, la précision? T'as vu ou pas? Tu vois même ton niveau de batterie, enfin c'est... Hey, on n'est pas là pour jouer, on n'est pas là pour jouer. Attends, par contre, je suis en train de me mettre des poils partout, c'est... Comme d'hab, je vous ai aussi gratté un code promo, hein, si jamais. Vous pourrez profiter de 20% de réduction, ainsi que de la livraison gratuite à l'international avec le code NICOLAS20 sur le site de Manscaped que je vous mets en description. Merci à eux pour la collaboration, hein, c'est des vrais frères. Nous, en attendant, retournons à notre couple trop cute. Je sais pas dans quel état d'esprit t'es là, c'est... Positif, négatif? Non, c'est positif, ça reste positif. Ouais, je te trouve très rassurante. Même si elle ressemble pas totalement à ses photos, je la trouve très mignonne. Ah bah voilà! Galoche-la un peu, dis-lui que tu l'aimes, putain! Ça fait 2 ans et demi que tu lui parles, t'es là à vouloir la tailler, tu fais le mariole. J'appréhendais vraiment le moment où on allait se voir parce que j'ai un manque énormément de confiance en moi. Bon, moi, tu vois, je suis une arnaque. C'est pour ça que je mets à chaque fois des filtres quand je t'envoie des vidéos, des trucs comme ça, je crois. Putain, mais elle me fait de la peine carrément. Mais vas-y, les filtres, c'est de la merde, sérieux. Regardez, après, ça vous fait complexer. Arrêtez ces conneries, s'il vous plaît, vous êtes bien mieux. Vraiment, c'est une arnaque. Au niveau de la taille, mais pas vraiment une arnaque, parce qu'au final, les loups, on les retrouve quand même sur les vidéos et les photos. Tu représentes quand même ce que tu montres sur les réseaux. C'est bien, rassure-la, voilà, vrai bonhomme. Ça se voit, il a souscrit à la formation de Adrien du AD Show pour être un serial lover comme ça. J'ai créé ma propre formation, comment devenir un titan de la drague et un titan du en 30 jours. Je sais exactement comment faire plaisir à une meuf. À tous les coups. Et mon cul, c'est du poulet. Pendant 2-3 mois et demi, on s'appelait, on s'envoyait des messages, et puis d'un coup, elle m'a ghosté. Plus de messages, pas d'appel. Tiens, tiens, tiens. Je pense que tu joues un peu trop aux jeux vidéo, frérot. Et que 2 ans et demi avant de voir quelqu'un, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est archi long. Ça a dû la saouler, elle a rencontré quelqu'un d'autre à ce moment-là, ça se trouve. Pourquoi t'as agi comme ça? En fait, mon premier amour, il est revenu. Je suis retourné vers lui. Voilà! Je suis pas trop fort, sérieux? C'était su! Tu dors trop, poteau! Tu dors trop! Mais en vrai, c'est hyper respectueux de la part de Shanna. Ça veut dire qu'elle parle que à un mec à la fois. Elle veut pas blesser les gens, non! Big respect! Big respect! Mariable! Franchement, j'ai été vraiment débile. J'ai gâché plein de trucs entre nous. Ça aurait pu être évité. Et j'ai fait la bête. Ouais, et elle s'excuse carrément, mais pour moi, c'est lui, il dort. La chuifa un peu, frérot, hein, ça va te faire passer à côté d'une belle histoire. Le fait qu'elle m'ait caché des choses sur son ex. Et qu'elle soit partie comme ça, sans me dire au revoir ou m'avoir expliqué pourquoi. Je prends très très mal ce qu'elle dit et je sais pas si je pourrais passer outre. Ça va, vous étiez pas mariés, hein. Tu fais le jaloux alors que tu lui as jamais claqué une bise encore. Mais raconte pas la messe. XD. Je suis tout à fait en tort, j'ai tous les torts. Je peux pas revenir en arrière. Clairement, tu peux me faire tous les reproches du monde. Et je comprendrai. Mariable, mariable, mariable. Est-ce que tu regrettes vraiment de m'avoir ghosté pour retourner avec lui? Bah oui, je le regrette. Je sais que c'est... difficile, mais j'espère que, enfin, tu pourras passer au-dessus un jour, enfin... Là, j'ai clairement l'impression d'être devant un épisode des Feux de l'Amour. Comme moi, j'ai pris un petit peu de recul par rapport à ça, je me demande, est-ce que je peux vraiment te faire confiance? Oui, tu peux me faire confiance, mais je peux que te le prouver avec des actes, avec le temps. Un soldat à terre, hein, son cerveau ne répond plus. On dirait on vient de le priver de dessert. Non, Kevin, tu n'auras pas de danette ce soir. Nique ta m***. T'imagines un daron, il dit ça à son gosse. Après, je sais que, enfin, je referai pas 2 fois la même erreur. On commet tous des fautes. Bah oui, mon petit chou, c'est bon, pardonne-la, sois sympa. Nous, on veut une happy end. Après, est-ce que tu m'aimes toujours bien comme avant? Non, moi, je suis coach. Oula, attendez, c'est quoi le rapport là? Je vais te laisser cette clé. Je vais aller attendre ta réponse. Et t'as les clés de notre destin entre tes mains. Ce principe de la clé, ça me bute. Tiens ma belle, je vais te laisser cette courgette. Du coup, t'as la courgette de notre destin entre tes mains. Arrêtez le cinéma, dites-vous oui ou non direct. Nous, après, on a des choses à faire, sérieux. On a une vie. Moi, j'ai 5 dans 30 minutes, là. Pas de temps à perdre. J'ai envie de continuer parce que Shanna me plaît vraiment. Et d'un autre côté, je me dis à quoi bon, elle m'a déjà fait le coup une fois, pourquoi pas une deuxième fois? C'est compliqué. Eh hey, frérot, lâche le steak, on a compris. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un avec qui tu es pas en couple de faire sa vie. On sait que tu la kiffes, c'est bon, on sait. Allez, fais tomber le masque, on a compris. Peut-être que ça peut être positif la réponse, mais j'ai quand même des craintes parce qu'il m'a... Il m'a dit plusieurs fois confiance, confiance, elle est basse, la confiance. Eh, hey, je suis détruit, la prod, ils lui ont dit de se frotter les mains pour jouer l'effet de stress. Quel acting incroyable! Alors ce matin, je vous raconte pas, je me suis littéralement chié dans le bénouze et j'en fumais toute ma rame de métro, c'était un enfer. J'espère vraiment que personne a compris que cette odeur de rat crevé provenait de mon fiac. Gros taré.
Installe-toi. Oh, l'entrée de zinzin. Même l'Undertaker, il en faisait pas autant. Je pense que ça va quand même rester dans une partie de moi ce qui s'est passé. Non, menteur. Tu vas repartir avec elle, on le sait tous. Je vais faire en sorte que je puisse passer à l'étape supérieure. Décider de te demander si t'étais prêt à ce qu'on reparte de zéro. Ah ouais, si t'es prêt carrément. Il sait même plus à qui il parle. Décider de te demander si t'étais prêt. Voilà poto, je voulais savoir si t'étais prêt, t'as eu. Du coup, je te redonne ta clé. Merci. Papa mercado. On repart de zéro. Oula, elle a pas l'air emballée là. Me dites pas, va le renvoyer à la niche parce que là je vais craquer. Je comprends que il veut plus rien avec moi. Partir à zéro, c'est. Zéro, c'est rien, nada. C'est un chiffre finito. Plus mariable. Tu dis de la merde pour tenter d'être repéré par une émission de télé-réalité ou quoi? Encore un, deux, trois, enfin, y a quelque chose, y a des étapes. Là, zéro, c'est bas. Y'a pas moins des chiffres en dessous que zéro. Bon, moi j'ai pas tardé, hein. Il est quelle heure là? C'est genre zéro, ciao. Ben non, on recommence. Genre on repart, ben, de nouveau. Ouais. J'ai même pas pris ça. Eh, on voit qu'il regrette son choix finalement. Il se dit, mais qui est cette personne s'il vous plaît? Ah, je sais pas, ouais, c'est à moi. Oh, le jugement dans son regard. Ah non, ça c'est fort. Ça me fait très plaisir. J'ai envie de lui laisser une deuxième chance parce qu'elle me plaît vraiment. Oh, le câlin de zinzin, c'est une accolade entre potes, ça. Même Giroud et Mbappé sont plus amoureux, carrément. Il est toujours pas en couple. Je ne suis vraiment pas fermée à se conformer avec lui et moi. Mais pour l'instant, on parle en mode comme des amis. Eh, vas-y. Eh, vous m'avez saoulé. Pourquoi vous participez à l'émission, alors? Eh, j'en ai marre, dans cette société, vous cherchez trop le buzz l'éclair, sérieux. On est toujours dans ce jeu de... on se cherche. Frérot, ça fait 3 ans et demi, tu la cherches, ça y est, libère-la. C'est les mecs comme toi, vous bloquez le marché des célibataires. Vous avez l'exclusivité sur des filles, mais vous voulez rien construire avec. Ah non, mais c'est dingue. Mais sérieusement, que quelqu'un me vienne en aide. Après, il est vrai que physiquement, elle est très très attirante, mais j'ai pas l'impression que c'est cette personne qui me fait chavirer le cœur. Là, je suis frustré. Non, vraiment, je suis frustré. Devant une émission de télévision, j'arrive à être frustré. C'est donc ça, ma vie. Ah là là, hey, cette émission, elle me rend fou. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le poteau Lenny, là, il dort trop, non? Conclu ou passe à autre chose, je sais pas. Enfin, pourquoi se faire du mal? Bref, comme d'hab, les amis, n'oubliez pas le petit partage, le petit pouce bleu si ça vous a plu. En plus, comme ça, double bénéf, ça aide au référencement de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, parce que là, j'ai des gens qui m'attendent sur un terrain de foot. Faut que j'aille faire parler mon talent. Allez, prenez soin de vous et de votre famille. C'était Nico. Bye.